traite des êtres humains avec une action. Part 3, we're voting on the initiative. En 2016 et en 2017. Il y avait trois dates. Hein. Donc s'il y a quelqu'un du secours catholique qui veut présenter cette action, qui se manifeste. Les femmes canadiennes, une personne de les Canadian Voice of Women for Peace, qui proposait une Twitter campaign on the opening day of the Habitat 3 conference in October, based on NATO. Yeah, so you can come and present. We're calling for the disbanding of NATO and promoting common security. NATO states have been complicit or responsible for using the following pretext for aggressive intervention in other sovereign states: human security, Iraq, 1991, humanitarian intervention, Kosovo, 1999, self-defense, Afghanistan, 2001, preemptive attack, Iraq, 2003, responsibility to protect in Haiti or Libya, or will to intervene in Mali. Each time the pretext is discredited, a new pretext emerges. Recognizing that true security does not arise through NATO expansion, through being a nuclear weapons organization, through coercing other states to increase their military budget and purchase weapons like F-35 and armed drones, through destabilizing other nations, through setting up military bases around the world, through war games and military activities, through circulating nuclear power and nuclear arms capable vessels. True security exists when all are secure, through common security, whose objectives could be the following: to achieve a state of peace and disarmament, through reallocation of military expenses and the delegitimization of war, to create a global structure that respects the rule of law, the International Court of Justice and the International Criminal Court, to promote a fully guaranteed respect for human rights, labor rights, women's rights, LGBTQ civil rights, political rights, migrant rights, indigenous rights, social and cultural rights, right to food, the right to housing, right to safe drinking water and sewage, right to education. Okay, so we call for the disbanding of NATO, the moving away from militarized security to common security, and the implementing in 2016 of the 1976 Global Appeal. This was in the Habitat 1 conference. The waste and misuse of resources and war and armaments should be prevented. All states should make a firm commitment to promote general and complete disarmament under strict and effective international control, in particular in the field of nuclear disarmament. Part of the resources thus released should be utilized so as to achieve a better quality of life for humanity, and particularly the peoples of developing countries. That was in Habitat 1. It's not, this year will be the 40th anniversary. And this declaration was approved by the first Trudeau. Now it's time for the second Trudeau to implement the 40 years of commitments that have not been. Now we have an initiative which comes from Caritas Russia and local partners, which is Solidarity Festival in Russia with people in poverty and homelessness, which will be on 16th to 18th October this year. So if the person is here, please make yourself known. Next initiative. It's Monsanto Tribunal in La Hague, in The Hague, in the Netherlands, and this is on 14 to 16 October this year. Monsanto Tribunal. Nous avons une déclaration d'un un groupe de personnes qui souhaitaient diffuser un message à tous les habitants de la Terre pour un changement de paradigme. Donc on leur a demandé de s'organiser un petit peu. On attend la suite. Je ne sais pas s'ils sont là.
Une autre initiative, c'est une journée conférence REDAC Canada, Réseau des écoles démocratiques du Québec, qui propose de faire une journée conférence en février sur l'éducation autrement. Le 15 décembre, la journée mondiale contre les précarités des scientifiques. Donc c'est organisé par FMTS, ICORSA, ABIC. S'ils sont là, ils ont déposé une initiative. Une personne qui a présenté un brainstorming workshop Eco-Responsibility, et donc qui propose de faire ce workshop le 8 octobre. Et qui s'était lié dans l'assemblée de la transition écologique et les inégalités. Des états généraux de l'enseignement supérieur au Québec, donc qui serait au printemps 2017, avec une préparation en 2016 avec la FNEC, FTPU, FQPPU. Une organisation qui s'appelle En Marche, qui propose une création d'un groupe des Students Against Forced Exploitation and Traffic of Youth. Quatre organisations, dont EWB, Ingénieurs sans frontières, qui proposent de Post-Carbon Engineering, avec des workshops en début septembre et un site internet qui ouvrirait en novembre sur le post-carbon engineering. Ah, et voilà. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kim Davis, je suis président de la section française de Montréal d'Ingénieurs sans frontières. Donc Kim Davis, président de l'Ingénieurs sans frontières Canada, la section française de Montréal. On a un projet qui est celui de créer des workshops, des ateliers pour définir ce que c'est que l'ingénierie post-carbone. Après les accords de Paris, en décembre dernier, les pays ont signé depuis à New York pour avoir en fait un accord pour décarboniser nos initiatives planétaires, toute la société en fait. Et si on regarde un peu l'accord, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit clairement que nous devons arriver en 2050 avec quasiment une décarbonisation complète de tous les systèmes énergétiques de la planète, au minimum. Alors toutes les actions qu'on a, enfin, toutes les choses qu'on a ici, qui émettent du carbone, en fait, devaient être changées en l'espace de 34 ans. On a 34 ans à peu près pour changer tous les systèmes énergétiques de la planète et un 20 ans de plus pour changer tous les systèmes planétaires pour émettre zéro carbone. Évidemment, les ingénieurs vont être impliqués dans le changement des systèmes que nous allons construire, systèmes d'éducation, systèmes énergétiques, etc. Mais il serait bon que nous définissions qu'est-ce que ça veut dire, l'ingénierie post-carbone, et nous invitons donc les ingénieurs et les non-ingénieurs à définir un standard d'ingénierie post-carbone et de le mettre en application, en fait, avant que l'accord de Paris rentre en jeu, c'est-à-dire avant 2020. Donc on invite tout le monde qui parle de justice climatique pour le climat, tout le monde qui parle d'éviter des changements climatiques extrêmes, je les invite, toutes les organisations, etc., à supporter cette initiative de définition de l'ingénierie post-carbone et ensuite de l'application de cette ingénierie post-carbone, premièrement dans le changement des curriculums dans les universités et ensuite dans la dissémination de la pratique à travers la planète. Merci. Avec plaisir de voir des ingénieurs ici. Alors, collectif d'hébergeurs alternatifs, d'hébergeurs internet, qui ont déposé une initiative il y a déjà pas mal de temps sur le site, qui s'appelle Chaton. Et c'est notamment le Facile du Québec, mais il y a d'autres organisations.
une pétition pour le Parlement canadien pour autoriser les centres médias communautaires qui serait faite en octobre. C'est une initiative du groupe Cactus. Le mouvement France. Alors, bon, sur le revenu de base, je pense, je ne sais pas s'il y a eu une assemblée, il me semble que si, donc peut-être normalement ça a déjà été présenté. Sur des tables rondes en Suisse sur des créations monétaires locales. Ça a été présenté, ça ? Ensuite, il y a eu sur la justice fiscale, il y a eu les attaques France, Espagne, Québec qui proposent un Global Day of Abolition of Tax Havens le 10 juin 2017. Là, bah peut-être que Emerson, il est là, Emerson ? Déborah ? Donc, construire un processus d'organisation d'un pouvoir citoyen mondial, débat international. Bonjour, il s'agit du réseau Dialogue et Humanité. C'est un réseau qui est présent dans 13 pays, de 4 continents. Et nous avons mis toute la force de notre discussion annuelle dans chacun de ces pays sur le débat sur comment construire un pouvoir citoyen mondial. Et on sait bien que ça doit être construit avec tous les réseaux, avec tous les points de vue, mais qu'il faut absolument qu'on commence à avoir plus de clarté sur quel genre de pouvoir alternatif on doit construire. Et pour cela, on a plusieurs rendez-vous, mais ici, nous avons dit le 22-23 octobre à Salvador de Bahia au Brésil. C'est marqué déjà un agora pour discuter avec les citoyens comment construire ces nouveaux pouvoirs. À Bangalore, en fin février 2017, à Lyon, en France, en juillet 2017, et dans toutes les rencontres du réseau Dialogue et l'Humanité. Je vous invite à voir au site du Forum Social Mondial. Nous avons lancé un document construit à plusieurs, avec personnes de plusieurs pays. Il a écrit en 12 langues. Il s'appelle le Serment de Paris. Il appelle à la construction d'un pouvoir, d'un processus constituant pour ouvrir notre imagination et commencer à proposer concrètement qu'est-ce qui peut être ce pouvoir citoyen. Et l'idée de fond, c'est que le capitalisme est en train de s'effondrer malgré toute sa force superficielle qu'on voit à ce moment. Et dès qu'il y a les tragédies climatiques, les effondrements financiers, le chaos politique que le Brésil maintenant c'est un exemple, il va falloir aux citoyens du monde d'imaginer une autre façon de gouverner, et pour cela il faut commencer vite. On vous invite tous à participer à ces processus là où vous êtes, et dans l'avenir on va commencer à voir des pistes d'où nous allons ensemble. Merci. Bon, sur les chèques aux paradis fiscaux, on a aussi en février 17 le lancement d'une campagne avec Oxfam et des organisations syndicales internationales. Je pense que ça a dû être mentionné dans les taxes justice assemblées. Et de la même manière, bon, donc je passe là-dessus, campagne sur le salaire décent, lutte des droits des travailleurs migrants agricoles, concertation de la jeunesse, inégalité chez les jeunes, éducation et citoyenneté. Ah ben non, c'est avec, c'est tout ce qui est lié à alors, je ne sais pas dans quel cercle ça a été fait. En tout cas, ça a dû être fait dans des cercles de discussion et d'assemblée, donc je les passe. Alors, l'organisation En Marche. Il est où En Marche, là ? Il n'était plus là ?
Donc, un processus créatif pour en finir avec le trafic des êtres humains. On va vous expliquer ce que vient faire Walt Disney dans l'affaire. So I'll be explaining in English. So essentially I'm proposing a model called the Walt Disney Creative Strategy, which is used to solve problems, and it will be applied towards the problem of human trafficking. Originally the model was applied in an initiative that I came out with some of my colleagues a number of months ago at Dawson College, in Michelle Thomas, and I've taken the modified version of this Walt Disney model, which is used to brainstorm, which is used to create solutions towards human trafficking. We'll have panelists, we'll have people to come to dialogue and to discuss the issues. What is human trafficking? How do you apply the model? And we'll be asking people to join us to talk, to give your ideas. We need creative people, we need logical people, we need creative people, we need all kinds of people. So we ask that you join us through so we can represent the model and use it to do something practical and something that's actually useful towards human trafficking as opposed to just talking about it. All right? Thank you and hope to see you there. C'est une, je ne sais pas trop, c'est une déclaration non à la guerre, non à la guerre. Oui, c'est une assemblée de convergence intitulée Non à la guerre, non à la violence, non au terrorisme et non au séparatisme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 rappelle que le droit à la vie, le droit à la sûreté sont des droits fondamentaux de l'homme. Mais en 2016, l'Organisation des Nations Unies, créée pour éviter les conflits armés, demeure impuissante à imposer la paix. Demeure impuissante à éradiquer la violence, le terrorisme et les tentatives de séparatisme, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. La guerre continue encore en Irak, Syrie, Palestine, Ukraine, Libye, au Mali, au Nigeria et dans d'autres pays. Plusieurs pays du monde. La chute du bloc de l'Est n'a pas conduit à la fin des conflits. De la fragmentation des anciens blocs, s'en est de nouveaux affrontements, remettant en cause les frontières entre les États, faisant apparaître de nouvelles fractures ethniques et religieuses, entretenues en sous-main par des puissances redessinant leur sphère et leur modalité de domination. Au nom du droit d'agir injustifié par les droits de l'homme, les interventions de puissances étrangères, souvent au sein de coalitions, se sont multipliées, provoquant plus souvent le chaos que la pacification attendue. Les morts lointains de la guerre en 2014 sont plus de 30 000 personnes en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe. Elles sont les victimes d'une violence qui se pratique sans guerre ouverte, une violence légale de la fermeture des frontières européennes à sens unique, laissant sortir les siens et ne laissant pas entrer les autres. La violence est diffusée partout. Plus de 424 conflits dans le monde, dont le un tiers en Afrique, où on enregistre l'activité dense de quelques 180 milices, groupes séparatistes et groupes anarchistes. La violence prend aussi la forme communautaire
comme le cas à Verdaya en Algérie, en Inde, en Afrique, en Afrique du Sud, au Soudan, au Congo démocratique, etc. etc. Le terrorisme n'a ni religion, ni nation, frappe partout le monde. Le fief de ces multiples de ces câbles en Afrique est bien connu, en Algérie, dans les camps de Tindouf, au Nigeria, dans la bande désertique à partir de la Mauritanie jusqu'à la mer Rouge. Les tentatives de séparatisme et de division des États soutenus par les forces du mal et de l'expansion continuent encore en Chine, en Inde, au Sénégal. En Afrique du Nord, le régime algérien a choisi l'armement du Front Polisario pour déstabiliser l'unité du Maroc et tous les peuples africains. Devant ces fléaux abjects, conséquences de l'idéologie stérile, des altérations de la guerre froide, des résultats du colonialisme impérialiste occidental, de l'anarchie, intelligence, chaos intelligent, de l'hégémonie, nous, tout simplement, nous n'avons pas choisi le silence. En effet, nous avons choisi notre voie, notre action. Nous dénonçons la guerre. Nous appelons les recommandations. Qu'est-ce que nous demandons? Nous appelons l'Algérie pays obstacle du Grand Maghreb, responsable direct au conflit du Sahara, d'assumer sa responsabilité, de s'engager amplement dans un processus de dialogue constructif avec le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara. La paix et pour la vie. Nous appelons à une alliance mondiale civile de paix pour la souveraineté des peuples contre les crimes perpétrés contre l'humanité pour une fine minorité de cyniques usuriers. Nous dénonçons les guerres, la division, la violence, le terrorisme et le séparatisme. Merci. On a eu l'Assemblée sur le nucléaire, je crois qu'elle a eu son temps, donc je la passe. Bonjour, moi j'habite au Québec et puis on nous demande de faire des actions locales présentement, de faire des actions concrètes. Alors c'est ce que je viens vous proposer. Au Québec, on est en train de nous passer une loi qui est un désastre pour nos propriétés, qui est un désastre pour la nature, qui est un désastre pour l'eau qu'on a ici au Québec. Alors, c'est la loi 106. Et puis, la passe pendant l'été, pendant qu'on est en vacances, justement. Et puis, ce mardi-ci, c'est la deuxième étape du passage de cette loi-là, de l'adoption de cette loi-là. Alors, c'est une grosse loi qui enveloppe beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a un petit détail, entre autres, pour lequel je suscite votre attention, c'est qu'avec cette loi-là, les pétrolières peuvent rentrer chez n'importe qui. Les pétrolières peuvent rentrer chez n'importe qui. Les municipalités n'ont plus rien à dire, le gouvernement n'a plus rien à dire, plus personne n'a rien à dire. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent ce qu'ils veulent enlever du sol et en même temps, ils mettent beaucoup de produits chimiques. Finalement, c'est la nappe phréatique qui est menacée. Nous, qui est un berceau de l'eau potable au monde, alors notre écologie est beaucoup menacée par cette loi-là qui englobe probablement beaucoup d'autres choses. Alors, ce que je vous invite, c'est qu'il y a une manifestation ce mardi au Parlement de Québec vers midi. Si vous êtes intéressés, il y a plusieurs groupes qui sont ici présents aujourd'hui, qui seront là-bas. Et une autre initiative qu'on peut faire si on ne peut pas être au Parlement, c'est que moi, j'ai reçu un email d'un organisme qui veut favoriser les citoyens à dire
leur désaccord avec cette loi-là. C'est un email qui me donne une lettre déjà écrite pour manifester mon désaccord avec le gouvernement avec trois adresses. C'est très facile, c'est du copier-coller. Et en tant que citoyen, moi, je peux dire, je m'oppose à cette loi. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de recevoir le email que j'ai reçu, qui rend la chose très facile, alors je vais passer une feuille. Si vous mettez votre email, c'est moi personnellement, je ne représente pas un organisme, c'est une initiative que je prends parce que je suis ici entourée de gens qui ont le même goût que moi. Alors, c'est moi qui aurai votre email et je vous écris ce email-là d'ici mardi, même avant mardi. Comme ça, vous faites ce que vous voulez avec l'information que vous recevez. Et si ça vous intéresse de dire non au gouvernement québécois, de manifester votre désaccord, alors nous, ça nous aide au Québec d'essayer d'arrêter ce massacre. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Alors, l'initiative suivante nous vient du Brésil, c'est donc Marcos, peut-être, qui, sur le plan d'action pour la défense de la démocratie, où est-ce que ça a été dans une assemblée, ça? Le plan d'action pour la défense de la démocratie, 29. Alors, Marcos ou Emerson, mais dépêchez-vous, non, pas la peine? Bon. Quelque chose sur les paradis fiscaux, mais c'est un petit peu en ordre dispersé, qui nous vient d'Oxfam International, ATTAC, Action Aid, une date pour protester contre les paradis fiscaux, peut-être le 10 juin ou le 3 avril. Il me semble qu'il y avait une assemblée là-dessus, mais j'ai l'impression que tout le monde n'était pas en même temps. Un certain nombre d'actions sur le Global Day Against Free Trade Agreements le 4 novembre. For a week of action for a binding treaty business and human rights. C'est un treatymovement.com. Et Stop TTIP and CETA Day le 20 septembre, journée de mobilisation massive pour stopper les traités. C'est une plateforme belge et européenne avec une date à Bruxelles le 20 septembre, ensuite en Allemagne et en France. Bon là, on a fait, c'est une assemblée sur la militarisation. Et donc, plusieurs initiatives qui ont été mentionnés dans cette assemblée, je ne reviens pas dessus. Oui, mais ils n'ont pas voulu la présenter. Ah, peut-être. Je crois que c'était les assemblées pour le droit à l'habitat, ça a été fait. Une organisation suisse qui propose des événements post-forum en avril et en novembre, avec soirée FSN et l'exposition de la banque des serments qui ont été faits ici durant le FSN. Bon, je crois que l'agroécologie, c'est l'assemblée, donc je ne reviens pas dessus. Le jour international de lutte des paysans de Via Campesina. À nouveau, le revenu de base. Bon, ça, je pense qu'il y a eu une assemblée, donc je ne le reviens pas. Mais c'était pas dans l'assemblée, ça ? Non, on n'a pas fini. Il y a un truc par rapport au monde, parce que là, on va parler de la crise. Bon, voilà. Merci. Oui, on voulait vous signaler, pour ceux qui sont encore là, une ou deux choses par rapport à la généralisation de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'initiative Monnaie Pleine. Les banques commerciales, vous ne le savez pas forcément, elles créent l'essentiel de la monnaie. Les banques centrales, elles ont retiré, elles n'ont plus la possibilité de créer elles-mêmes la monnaie, elles refilent la monnaie aux banques commerciales qui, elles, ont des gros intérêts, et ces gros intérêts finissent dans les bulles financières, etc. Donc ça veut dire que
c'est important que partout dans le monde, on se mobilise pour que la création monétaire se modifie. Et on vous propose de soutenir l'initiative suisse Monnaie Pleine qui va être votée d'ici quelques temps. On ne sait pas exactement la date, c'est la Confédération qui la décide. Et puis d'imiter ça exactement dans tous les pays, parce que quelque part, ça va être important. L'enjeu, c'est interdire aux banques commerciales de créer la monnaie et d'interdire aux banques commerciales de faire des immenses intérêts sur ces dettes qui sont cumulées. Et puis, la possibilité pour les banques centrales de distribuer la monnaie sans intérêt aux citoyens, aux États, aux collectivités locales. Ce qu'on aimerait bien dire, c'est que ce n'est pas contradictoire avec des monnaies locales qui sont aussi des projets intéressants. Alors moi, je vais juste continuer en vous disant que pour vous renseigner sur l'initiative Monnaie Pleine, il suffit de taper initiative Monnaie Pleine sur Internet et vous voyez exactement de quoi il s'agit. Et puis, je voulais aussi faire un petit rappel sur le revenu de base. Tout à l'heure, notre camarade François, qui a dû s'absenter, vous a parlé du revenu de base en Suisse. Il y a eu une votation, donc un vote, le 5 juin dernier sur le revenu de base, sur le, comment on appelle en anglais, le basic income. Et on a eu 23% de oui et 77% de non, ce qui est déjà très encourageant pour une initiative qui est toute nouvelle. Donc il faut savoir que les gens commencent à comprendre l'enjeu d'un revenu universel. Donc ça c'est bien, c'est bon à savoir. On a aussi l'ambition de faire un forum social mondial prochainement en Suisse, et pourquoi pas à Genève. C'était pour vous le dire. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Oui, pour revenir à l'action sur la Banque Nationale Suisse, vous pouvez aussi aller sur Internet, regarder le AAA+, et vous mettez aussi BNS, Banque Nationale Suisse, à côté, et vous tombez sur nos actions. Je pense que j'ai fait le tour, mais merci beaucoup. Et je voudrais juste remercier ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qui ont parlé de Tisa, Tartin, tout ce qu'on veut, c'était IP, tout ce qu'on veut. Tout cela, je pense qu'il faut que chacun dans son pays agisse contre ces traités internationaux qui sont vraiment terribles pour la planète. Merci. Toujours sur le revenu de base, il y a une initiative de Earth Dollar Organization qui dit « Registration for Basic Income plus Launch of the Earth Dollar » et ça serait en octobre 2016. Donc c'est aussi lié au revenu de base. Donc voici. Hi, my name is David Camp. I want to honor the original people from Turtle Island here, which is the Haudenosaunee and also the original people. And one thing is that this project for the World Basic Income Project, it's actually implemented with the original people that on this land, the idea came from there. So what we're providing is a world basic income. It is an income that you are paid monthly salary to protect Mother Earth. So this income is provided to 6.5 million people on the territory. There's about 2 million people on Ottawa watershed, around 15,000 people in British Columbia. Also, around 2.16 million people in Ghana, and also about 5 million people in India. The idea is that how we came up with it's a private implementation. The money is not coming from government. It's coming from a private source. From us, what we did was that we took unused assets. And example, the indigenous nations, they pledged their water, fresh water, trees, mineral rights, carbon credits, and also the airwave rights to back this Earth Dollar, and this provides a basic income. Also, we went to the diamond industry. Diamond industry had
box of diamond, but they're going bankrupt because the commodity prices of diamond has decreased. So we took the assets and we used it back to Earth Dollar, including we also got assets from Orange Farms. So we need right now volunteers to help us to register the 6.5 million people. These people, you will be paid in Earth Dollars as a volunteer to help us with the registration process. So you can imagine registering 6.5 million people, how hard it is, because we have that identity and so on. So the launch of the Earth Dollar is September the 21st on 2016, International Day of Peace. And we start the registration in October. So whoever wants to help out, please come forward and to help us. Thank you. Une personne qui veut lancer un réseau environnemental, Tino. Je sais pas, c'est donc une initiative plutôt citoyenne qui, à partir de la participation au forum social. Quelqu'un qui propose un séminaire international sur la transition post-capitaliste. Mais c'est donc Kevin Flanagan ou Nicole Léonard. S'ils sont là, ils pourront expliquer. Avec beaucoup d'organisations. Et donc, encore des choses sur la réforme monétaire en Suisse. Et décidément, nos amis suisses sont très en pointe sur ce sujet. Là, les AA+, qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est bon, hein, tu l'avais fait, là. Making Open Value Economy Movies, c'est les makers, je crois. Rod Nett, Richard Nelson, Marissa McLean, est-ce qu'ils sont là? Bon, en tout cas, ils ont laissé leur initiative, ils ont fait des activités sur ce sujet. Et bon, après quelque chose d'un peu flou qui est lié, je crois, à l'Assemblée sur les autochtones, mais qui, enfin, le cercle de discussion qui n'a pas pu se tenir de manière claire ce matin, puisqu'il a été, disons, recadré par l'intervention d'un chef autochtone. Et donc là, il y a une personne qui proposait d'organiser des groupes prêts à aller rencontrer les autochtones dans leur réserve afin d'apprendre à se connaître. Donc, c'était plutôt une initiative personnelle qui peut être suivie de fait. Et la dernière est toute fraîche, Festival des Solidarités en France, du 17 novembre au 3 décembre. Un événement national et décentralisé de mobilisation et d'interpellation avec 6000 événements d'éducation populaire. Ceci termine notre liste. Donc merci d'avoir participé à cette agora des initiatives. N'oubliez pas que toutes ces initiatives n'existent que parce que vous les écrivez dans le site FSM. Et nous allons vous rappeler cela. Vous pouvez encore en annoncer d'autres, toujours en indiquant un contact et des organisations qui soutiennent. Et le collectif FSM va entretenir ce calendrier jusqu'à la fin de l'année. Et il sera amplement accessible sur le site internet du forum. Merci. Hi, excuse me. This last part was what do you call this? I'm Occupy like... Toronto live stream. I know that you have the 22 Convergence Assembly and Angora meetings presentation. This was like a presentation of the initiatives. By who? By the action plans that were from before the World Social, the assemblies, and also initiatives that were
proposed by people or groups who had not been taken into account by those assemblies? Exactly. They were in the assembly, in the circle of discussion, but not taken into account by the facilitators who were like set on their previous scope, or that they came, maybe they didn't participate in the discussion circle. Okay. So we try to make them accountable in any case with a contact. They are on the website, so people need to have an account, and they're backed by organizations. Perfect. We have one of that, because colleagues from Senegal, yes, they could not come here, but they charged me to represent their willingness to have the next World Forum Social de l'Afrique de l'Ouest. Au Senegal. Abidjan, à novembre. Est-ce que je peux vous... Bah, ils peuvent le faire eux-mêmes, puisque c'est sur le site, ils n'ont pas besoin de vous, ils peuvent le faire eux-mêmes. On peut faire... Je vais vous montrer comment... Oui, merci. Thank you. Thank you. Ooh, one live stream channel. I was also occupied to run a live stream. You were live streaming as well? On yeah, what channel? Yeah. On YouTube with a Hangout. And what's your channel? My channel is Edith Roussy. I accuse? Huh? I accuse, did you say? Edith Roussy. It's my name. Ah. It's just my YouTube channel. Sorry. Okay, no, that was great. I'm Occupied Toronto live stream. Yeah, I know. So, I give you the key to stream. Now, can I give it back to you tomorrow? For sure, for sure. No, you have to give it back to me right now. Sorry. No, I'm going to live stream the concert. Yeah, but I can just let you the key. Tomorrow I need it because we stream the... No, but the International Council. Well, hold on. Let me stop here. Okay.